be saving, John, so I really better be going. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite du Let's Play sur Ember. Et dans cet épisode, je vais tenter de lui refaire. Alors, peut-être pas la tour qu'on avait fait à l'épisode précédent qui était, comment dire, assez dur. Non, je pense que je vais essayer en fait de faire plutôt une des nouvelles. De refaire une des nouvelles missions, genre par exemple. Les missions qui ont, vous savez, les trucs avec les lasers, les caméras, les reconnaissances faciales. Eh ben, pourquoi pas ne pas essayer, par exemple, le Douglas Street. Voilà, on va retenter le Douglas Street. On va essayer encore une fois de plus d'avoir le plus de flammes possible. Même si on pourrait effectivement continuer avec le fameux nouveau boss, le Flyer. Enfin, nouveau boss, nouvel ennemi. Décidément, on ne se fait que des ennemis dans ce jeu. Donc du coup, alors pour rappel, il n'y a que ceci pour passer. Enfin, on a ceci du coup qui est seulement de ce côté-là, mais pas de l'autre côté parce qu'en fait, celui-ci, en fait, il ouvre quelque chose. Non, il ouvre l'électricité, voilà. Vous voyez le petit truc. Donc là, c'est un peu chaudasse. J'ai un peu chaudasse. Mon dieu, ça y est, je commence à parler pas. Et du coup, on est coincé de ce côté-là parce qu'on ne peut pas... Vous êtes en train de me dire que depuis le début, la première fois que j'avais fait ce niveau, tout ce qu'il fallait faire, c'était juste appuyer sur un putain d'interrupteur. Non mais vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? J'ai perdu du temps. Quand, la première fois que j'ai fait ce niveau, j'ai perdu énormément de temps alors qu'il fallait utiliser un putain d'interrupteur. Bon, très bien, il n'y a pas de souci. Où sont les autres du coup? Ils sont tous là-bas. Très bien, c'est parfait. Il y en a 6 à sauver en tout, n'est-ce pas? 6, très bien. Du coup, je vais casser par là, mais je crois que par là, c'est les shots, donc ça n'a absolument aucun intérêt de passer par là. Non, le mieux, c'est de passer, du coup, par ici. Donc, par ici, parce que par ici, justement, il y a quelqu'un qui... Oh, putain, d'accord. Non, mais tranquille, le mec, il y a juste le feu qui commence à se foutre, et le mec, il l'a tranquille... Juste pas très loin. En même temps, c'est vrai que c'est une très bonne réaction qu'il faut avoir quand il y a un incendie. Mais par contre, très mauvaise réaction à avoir, c'est effectivement utiliser son smartphone. Non, ce qu'il faut utiliser, c'est un extincteur, voyons. Et un bon type d'extincteur, parce qu'il y a différents types d'extincteurs, bien entendu. Il y a des extincteurs qui n'éteignent pas tout. Enfin, qui n'éteignent pas tout, qui ne sont pas efficaces pour tout. Notamment si vous voulez éteindre un feu d'origine, de certaines origines. Ah oui, parce que les extincteurs sont racistes. Hein. Dans la vraie vie, les extincteurs sont racistes. Donc du coup, ça ouvre ceci. Mais je me demande, si je prends un pouf, que je le pose là, est-ce que ça compte? Oui, ça compte! Et du coup, ça sert à quoi que j'aille ici? Oh putain! Mais qui est le con qui fout des lance-flammes? Mais quoi? Mais maintenant, on a découvert l'origine de l'incendie. C'est parfait. C'est parfait, mais par contre, ça nous mène où, ça? Ça nous mène surtout nulle part. Sauf si... Si je regarde... Je vais... Alors oui, je prends mon temps, hein, mais en même temps, il n'y a pas non plus d'énormes risques d'incendie. Donc si je fais ça... D'accord, je n'arriverai pas du coup à mettre quelque chose là-dessus. Bon écoute, je laisse tomber, à mon avis c'est peut-être un truc... je pense que c'est une énigme pour avoir du pognon en fait. Enfin du pognon supplémentaire. Vous savez, les liasses de billets qu'on récupère de temps en temps sur ce jeu. Qu'est-ce que c'est que ça? Un Sleepwood. LOL!
Ils ont mis des trucs pour dormir au boulot. Eh ben pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, c'est une très bonne idée. Par contre, le feu commence à s'agrandir. Il va peut-être falloir que je manie mon cul pour sauver ces deux-là. Parce que sinon, il sera peut-être trop tard. Et par trop tard, j'entends bien entendu, peut-être qu'ils vont crever, hein. Mais quoi? Enfin, j'ai vu du feu par ici, hein, on est d'accord. D'accord, ouais, effectivement. Donc du coup, il y a bien encore un incendie si j'ouvre par ici, c'est ça? Mais je suis obligé de faire le tour pour... Parce que si je veux sauver ces deux-là... Non, je peux passer par là. Regardez. Celui-là, hop, même pas besoin de clé, de quoi que ce soit. Énigme à deux balles. Énigme à deux balles pour un niveau que j'avais galéré la première fois que j'ai fait. Mais au final, c'est pas si galère que ça. Regardez, hop. Bon, avec le grappin pour aller au plus vite, bien entendu, mais... par contre... Je sais pas ce qu'il est en train de foutre mon clavier, mais je crois qu'il faut absolument que je change le péché. Voilà, donc du coup, voilà, ça passe nickel. Ça passe nickel, il en reste plus que... Ah non, il en reste plus que deux, il y en a six à sauver. Malédiction. Et du coup, par ici, c'est fermé. Ah, mais c'est fermé de ce côté-là. Ah, merde. Bon, bah écoutez, écoutez, on va passer par là. Ah oui, mais on peut pas passer par là. Ah, d'accord, t'es obligé de passer par l'intérieur. Bon, oh, bah très bien, on va replonger dans le feu. On va se replonger dans le feu. Donc, du coup, on va casser cette porte-là. Et c'est la panique à partir d'ici. Ah bah très bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, déjà, pour commencer? Il y en a un au rez-de-chaussée à partir d'ici. Qui est en plus en slibard. Je sais pas si c'est autorisé de travailler en slibard. Mais je pense que c'est pas une bonne idée. Et effectivement, j'ai pas pris l'assurance vie pour utiliser l'échelle et en même temps le client. Donc forcément, je ne peux pas utiliser l'échelle proposée ici. Mais par contre, je suis obligé de faire le tour, n'est-ce pas? Ouais. Je suis obligé de faire le tour. Et quitte même à passer par le feu, ou repasser par le feu, pour... ouch! Ouch. Monsieur, non, on s'électrocute pas ici, s'il vous plaît, très bien. Donc, du coup... Ah, funeste, mais regardez-moi ça. Regardez-moi cette progression d'incendie. Bon, en même temps, ça va, les clients ne souffrent pas trop. Pour l'instant, ils ne crient pas à l'aide. Hein. Enfin, pour l'instant, en même temps, ils sont tous rivés sur leur smartphone alors qu'il y a un incendie. Donc, du coup, il reste du coup un seul... mec qui se trouve où? Qui se trouve ici. Comment y accéder? Déjà, il y a cette clé. Je suppose. On doit casser cette porte. Ça va nous amener à ces escaliers. Décidément, je commence à... Et du coup, le mec est juste derrière ici. Très bien. Alors, du coup, on va ouvrir ici. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Mais what? Bon, très bien, du coup, bah, on sort du coup le dernier client. Et enfin, on a réussi. Mais on a réussi? On a réussi. Bon, par contre, il va peut-être falloir qu'on passe par autre part que par l'habituel. Parce que, bon, c'est pas que ça crame bien, mais... Ça sent bien le roussi, c'est... On va regarder aussi la pièce à partir... Ah oui! Ah oui, quand même! Ah non, mais ça déconne zéro, quoi! Ça déconne zéro. Bon, bah écoutez... déjà, on va éteindre cet incendie auprès de la porte de sortie. N'est-ce pas? On va passer ici et on se casse. Bah, on se casse. Et on reçoit nos 5 flammes! Magnifique! En fait, le niveau était super simple. Il y avait juste à prendre son temps. Voilà, fallait juste prendre son temps. Vous nous avez tous sauvés. Effectivement, je vous ai tous sauvés. Et vous me payez bien, j'espère. 500$. Bah, j'aurais aimé 1000$ quand même, mais bon. Bref, du coup, Victoire, on a eu plus du coup de flammes.
on peut encore en avoir plus. Il faut débloquer cette zone-là. Et plus tard, après, débloquer cette zone-là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour encore plus? On peut retourner au bureau de U-Work. Tout simplement, le bureau où on a, pour la première fois, le système de reconnaissance faciale. Où on doit prendre un client, justement, pour ouvrir une porte. Alors, où sont, justement, d'abord les clients? Alors, il y en a d'abord un ici. On va casser, du coup, cette porte. Là. Il y en a d'abord un ici. Celui-ci, qui est juste ici. Alors, ça tombe bien que vous soyez là. Hop, j'ai besoin de votre face. Est-ce que, par hasard, ça... Ah oui, mais d'accord, oui, parce que... Ouais. Parce que là, il y a un système d'eau, en fait. Qui retient le feu. Dès que j'ouvre la porte, le système d'eau, en fait... Oui, parce qu'il y a un interrupteur. Là, par contre, ça va être de la rapidité. En fait, je vous explique. Le feu est ici. D'accord? Le feu, il prend des parts ici. Partir d'ici. Ce feu va très vite. Mais très vite se propager. Dès lors qu'en fait, on ouvre cette porte. Pourquoi? Parce que l'électricité qui va à cette porte... Et le même électricité qui va justement à ce système de tricot. Donc plutôt que d'utiliser ceci, est-ce qu'on va pas plutôt de s'amuser avec le grappin? Voilà, parce que c'est peut-être plus facile, non? Et surtout qu'en plus, oui, forcément. Forcément que c'est plus facile avec le grappin. Donc, du coup, est-ce qu'on peut poser un objet sur ce truc pour ouvrir cette porte? Oui! Mais à quoi ça sert par contre d'avoir fait ça vu qu'il n'y a personne? Très bien. Du coup, on va ouvrir par là. Et super. Super. Ah, on aurait pu ouvrir par là aussi. Effectivement, on aurait pu ouvrir par là. Il y avait un client juste derrière. Très bien. Hop. On va du coup mettre ce client en sécurité. Je crois même que je vais pas me faire chier. Je vais prendre une échelle. En une échelle, je vais pas désactiver justement cette porte. Je vais amener encore ce gars à la sortie. Tout simplement. Voilà. Avec le grappin pour éviter en fait qu'il tombe de mes bras. Parce que si je fais la chute, il va chuter. Ah punaise, il y en a un au rez-de-chaussée. Un au rez-de-chaussée. Ah mais du coup, je vais pas pouvoir utiliser. Bon, pas très bien. Cassons du coup la vitre. Ah d'accord. Voilà, on a trouvé l'origine de l'incendie. Enfin, je crois. Ça fait partie de l'étage. Oui, apparemment, ça fait partie du bâtiment. Très bien. Oh, bah, très bien. Et du coup, comme forcément, je n'ai pas l'assurance, en fait, vie avec l'échelle, du coup, je vais devoir transporter moi-même le client. Très bien. Finalement, l'échelle, je vais le mettre ici. Voilà. Et je vais déjà à l'étage. Mais comment y aller? Parce que le seul moyen d'y aller à l'étage, c'est par ici. Donc à moins de casser cette vitre. Attendre que ça recharge. Et hop. Oh, mais vous avez... Oh, sympa, vous avez un coin golf ici. Mais du coup, c'est pas dangereux d'avoir un coin golf ici. Parce que je veux dire, s'il y a une balle qui tombe... Parce qu'une balle de golf, c'est lourd. Hein. Enfin, je sais pas si vous le saviez. Bon, je pense que vous le saviez pas, sinon vous n'aurez pas un système de golf. Oh, qu'est-ce donc que ceci? Ah d'accord. Ouais, non, on peut pas s'accroupir, c'est ça le problème. Et du coup, pour avoir ce client-là, comment on peut faire? Ouch. Oh putain, il m'a strappé le lit. Oh la vache. Ouais, c'est pas évident. Comment on va faire? Comment faire pour entrer, du coup, chercher, sauver ce client qui est ici? Sachant qu'il y a un système d'électricité. Et il y a aussi pas mal de feu. Dans la cage. Bon, écoutez, on va déjà casser cette porte. Hein. Voilà, je pense qu'on n'a pas trop le choix que de passer par le feu. Hein. Parce que autant le faire. Autant le faire. C'est vrai que j'aurais dû prendre l'extincteur. Hein. D'ailleurs, je crois qu'on avait les moyens d'acheter l'extincteur. Vous savez quoi? À la fin de ce niveau, on va acheter l'extincteur.
Parce que plutôt le pistolet à eau, bon, il est sympa le pistolet à eau. Mais si jamais on tombe sur des feux de autre type, donc je crois que le client à secourir est ici. Ah oui! Et du coup, comme il y a l'électricité en plus, Ouch, ouch, ouch. D'accord, alors il suffit juste de enlever ça. Pour l'électricité, c'est ça? Ah putain, faut un client! Merde! Merde! Et on peut pas s'accroupir! Ah si, on pouvait s'accroupir! Putain, mais je savais pas qu'on pouvait s'accroupir! Comme un con! Bon, écoutez, excusez-moi, monsieur, bonjour! J'ai besoin d'un de vous. J'ai dit, j'ai besoin d'un de vous. J'ai... Help me. J'ai fait le con. Je crois que j'ai fait le con. Bon. Alors, peut-être qu'il y a... parce qu'il y a un autre client à se... Lui peut servir. Lui peut servir. Donc, du coup, si lui, il peut servir. Du coup... Hop. Vu que j'ai coupé l'électricité, hop, on peut passer là. On peut pas passer. Au secours. Bon, je vais devoir vous jeter, monsieur. Non, pas comme ça. Là, voilà. Je vais devoir vous prendre à partir d'ici. Voilà, je vais devoir prendre votre visage maintenant. Très bien. Très bien, bah, c'est parfait. Maintenant, je peux vous jeter. Hein. Non, je peux peut-être essayer. Ah mais en fait je pouvais très bien passer la vitre sans devoir jeter le client. Bon bah super. Du coup celui-ci et eh ben on va... Ah d'accord, ah mais le feu se propage vite hein. Non, je vais passer par là. Merci. Oui. Du coup par là. Est-ce que on peut passer par cette fenêtre? Je pense que cette fenêtre est beaucoup trop petite pour qu'on puisse passer. Très bien. Du coup, ben, c'est le dernier client à sauver. Et le dernier client. Ah oui. Oui, il y a de l'électricité, effectivement. Il y a de l'électricité. Dernier client à sauver. Hop. Et ben voilà. On les a tous. Je pense qu'on peut se casser. On peut se barrer d'ici. Et on a réussi la mission avec brio. Mais décidément, mais qu'est-ce qui se passe? Je deviens complètement efficace. Et ben en tout cas, vous savez quoi, je vais arrêter cet épisode ici parce que je deviens un peu trop efficace. Voilà, je vais... Ah, quoique non, on avait dit qu'on va peut-être voir pour acheter un extincteur, c'est vrai. Donc on va d'abord aller aussi faire les boutiques et acheter peut-être dans... Alors peut-être pas ici. Dans amélioration et boutique, le fameux extincteur. Et avec ceci, bien entendu, on va bien entendu prendre... Le client à utiliser pendant que tu portes un client, voilà. Pourquoi pas. Réservoir à capacité augmentée. Et en plus, mais je peux carrément faire tous les upgrades de ce truc. Regardez-moi ça. Les produits chimiques de l'extincteur vont désormais aussi évaporer l'eau. Oh. Les produits chimiques de l'extincteur reboursent désormais les nuages de gaz. Oh, mais décidément, on a un extincteur efficace. Est-ce qu'on l'essaierait pas, tiens? On va déjà s'en équiper. Alors, peut-être pas ici. Peut-être dans équipement. On va à la place de celui-ci. Ou plutôt, directement dans le 6, on peut équiper, avoir à la fois l'extincteur et le... Oui, on peut avoir à la fois l'extincteur et le pistolet. Eh ben, vous savez quoi, je vais tenter ça. Putain, c'est ça, on va prendre un niveau... Tiens, je sais ce qu'on va prendre. Un qui a justement le truc qu'on a d'ailleurs déjà fait avec brio. C'est lequel? Il est où? Il est où le restaurant? Non, c'est pas le restaurant. Je cherche le restaurant. C'est celui-là. Voilà, celui-ci. Et on va faire en mode sauvetage de meubles. Non, pas sauvetage de meubles. On va faire une mission de sauvetage tout court. Hein. On va refaire une mission de sauvetage, même si on a déjà réussi ceci. Et on va tester cet extincteur, notamment à un endroit précis. Et cet endroit précis, je pense que vous savez très bien de quel endroit je parle. Ah ben en plus, super. Super, parfait. C'est lui.
Voilà, alors. Monsieur, calmez-vous. Calmez-vous. Je crois que l'extincteur, il marche que puis, hein. Je sais pas vous, mais quand je l'ai utilisé... Attendez. Non, monsieur, calmez-vous. Non. Calmez-vous. Monsieur, arrêtez de bouger, s'il vous plaît. Je veux vous sauver. Bon sang, c'est pas vrai, ça. Bref, donc du coup, ça lui fait déjà de deux. Il y en a aussi à l'étage à sauver, hein. Donc deux à sauver. Déjà, je vais prendre l'eau. Quoique, non, je vais prendre plutôt ceci. Ah, il a l'air... J'ai pas l'impression, alors moi, peut-être que c'est juste une impression, mais pas l'impression que l'extincteur est efficace. Hein. Surtout qu'en plus, il n'a pas un truc illimité comme... Enfin, il a pas de truc de recharge, contrairement au pistolet à eau qui, lui, a un truc de recharge. Mais ce que je veux surtout utiliser, c'est les crépitements qui sont ici. Est-ce que si je fais ça... Incroyable. Incroyable. On sait maintenant comment se débarrasser des crépitements. Eh ben, c'est parfait. C'est parfait. Donc, du coup, ce qu'on va faire du coup, pour la suite de ce let's play, c'est tout simplement, quand il y a du feu, c'est d'utiliser justement le pistolet à eau, parce que c'est juste du feu, tout ce qu'il y a de plus normal. Mais en revanche, quand il y a d'autres types d'incendies, vu que en fait, justement, il a une charge justement limitée, on va prendre justement l'extincteur. Tout simplement. Tout simplement, on va faire ça va être simple. Ça va être tout simple, en fait. Donc, du coup, on aura, bien entendu, toujours hop, le grappin. On va sauver, du coup... Il y en a un à sauver ici et un à sauver à cet étage. D'ailleurs, je suis... Non ! J'ai dit que je veux d'abord casser la vitre. Voilà, on va d'abord casser la vitre. On va attendre que ça recharge. Il faut absolument que je prenne l'amélioration de recharge rapide pour le grappin, en tout cas. Et juste ici. Voilà. Juste ici. Tout ce qu'il y a de plus normal. Et en plus, il s'est mis dans les chiottes, ce qui est une très bonne idée, parce que n'oubliez pas ce qu'on a dit dans un certain épisode, les chiottes permettent de sauver des vies. Voilà, tout simplement. Donc du coup, il nous reste plus que monsieur qui est à l'étage, et j'y vais bien entendu en mode spider grappin. Même si, bon, voilà. Je vais peut-être sauter même. Non, c'est peut-être pas mieux de sauter. Donc je vais juste prendre l'échelle qui se trouve ici. Passer comme ici. Voilà. Et utiliser le grappin. Ah, c'est trop haut. C'est ça, c'est trop haut. C'est trop haut. Très bien. Bon, bah, je vais passer par là alors. Voilà. Et ensuite, je vais passer par ici. Et voilà. Tout simplement. Tout simplement une efficacité remarquable. Et ben décidément, je suis très efficace. En tout cas, moi je vais arrêter cet épisode ici. Si cet épisode, en tout cas, vous a plu, et ben n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à partager à vos potos. Et si vous êtes intéressé par d'autres de mes vidéos, et ben n'hésitez pas à vous abonner et à enclencher la cloche de notification. C'était Yann STR. Je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Bande de PGM.